Et du coup, j'avais dit que une fois dans le commissariat, j'allais changer les paramètres graphiques, donc. Pistolet ou non ? Je sais pas trop. Mon état n'est guère encourageant. Ce serait peut-être. Donc, on va faire une vraie sauvegarde. Plus humain de t'emmener. Je vais quitter. Alors, attendez. Du coup, pour vous, hop, je vais changer d'écran 2 secondes. Bureau. Allez, le jeu, s'il te plaît. Merci. Donc, si je relance Fallout. En fait, je crois que les lags, c'est dû à mon disque dur. On est combien là sur le live? Bah, je sais pas, moi je vois que c'est écrit 4. Donc, tu pourrais monter aussi un peu le son du dialogue, on n'entend pas super bien. Ok. Ok, ok. Allez, le jeu, si tu peux te lancer. Voilà. Autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va réduire ? On va réduire un petit peu l'éclairage, les rayons lumineux, ouais. Profondeur de champ, c'est bien. L'occlusion ambiante. Alors, des dégâts. Voilà. Bah, en fait, le problème, c'est que j'ai une super config à part le disque dur. Voilà. Donc si je peux lui faire moins charger. Mamie, elle est un peu dure de la feuille. Ça roule. Alors là, normalement, au menu, ça va faire. Ça va avoir un gros son. Donc vous allez pas entendre la musique quasiment et quasiment pas ma voix. C'est ça, ouais, c'est ça. Je suis sûr, Lon, tu dois connaître la vidéo des Warframe avec le WhatsApp. Avec le WhatsApp, c'est quoi? Peux-tu être plus précis ou à la limite mets un lien? Normalement les liens sont pas bloqués. Alors, option audio, voix. Là, ça devrait être bien. Ce serait peut-être plus humain de t'emmener dans un coin et de t'achever. Merci pour ton grand cœur, Doc. Arrête de gigoter, que je puisse ajuster ces bandages. Vous vous prenez pour un crack ou quoi? En fait, je crois que la musique est aussi un chouïa forte. Parce que ça dépend les musiques qu'il me met. Hein. Quand elle gueule tout sur WhatsApp. Bah non, ça me dit rien du coup, si tu peux dropper le lien. Cette musique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas si c'est libre de droit. Free music to free your mind. Ok, bon, ça a l'air d'être cool. Ok, bon, ça va. Je suis toujours dans une playlist libre de droit. Alors. Des cartouches. Terminal, on s'en fout. Pour raconter leur vie... Journal personnel. Ça c'est pas intéressant. Du psycho. Cafetière. Non. Plaque chauffante. Non. Pourquoi il y a des parkmètres dans le commissariat? C'est débile. Les dialogues c'est good. Ok. Parfait. Ouais, attends, je vais le timer aussi. C'est pas en début de vidéo. Ok. On va aller sur le toit. Généralement, il y a des trucs qui sont cachés sur le toit.
Ouf. J'ai faim. J'ai faim. J'irai voir après si je peux pas aller faire un petit truc à manger. Genre une petite tartine de confiture. Parce que j'ai remarqué que j'ai de la confiture dans mon frigo. Et genre j'étais pas au courant. Ok, y a rien sur le toit en fait. Je suis tristitude. Mange ta main. Bah non, je vais éviter quand même. Ça peut faire mal. Hop. Non. Hop, voilà. Moi, on m'a dit que je pouvais me servir, alors je me sers. Fin de ces bordels avec son armure. Émetteur de détresse inactif. Allez hop, on prend. Là, tu fais des pompes, au calme. Il y a 2 secondes, il était au sol. Un putain de tir au flanc. Je vous le dis, moi. De mon temps, ça se serait pas passé comme ça. Montre à gousser. Allez, on prend. Cigare. Des lunettes de soleil. Il est pas badass comme ça. En plus, avec son nez, il y a vraiment un bon rebord pour poser les lunettes. Hein. Merci maman pour la confiture. En fait, il y a quelqu'un qui fait les courses à sa place. Merde, il est pas là, tant pis. Je dois passer plus tard. Ok. Ça marche. Ok, j'ai chopé le ventilateur. C'était pas voulu, cette fois-ci. Pourquoi vous restez là comme si vous n'aviez rien à faire? Le paladin Dance vous attend. Bah il va encore m'attendre, écoute, j'ai pas fini de fouiller. On m'a dit que je pouvais me servir, alors écoute. Je me sers. Surtout des munitions. Je pense que j'en aurais pas mal besoin. Et un praxo. C'était un sacré combat, hein. J'ai hurlé de joie quand j'ai vu ces ghouls sauver. On dirait quand même un mec sorti de la planète des singes. Comment il l'a fait Maurice pour mettre ses lunettes avec sa corne? Bah justement, il pose les lunettes sur sa corne. Bien essayé. Parce que la corne est vers le milieu du nez, tu vois. Donc ça fait vraiment un support, quoi. C'est limite, il était fait pour porter des lunettes. Terminal de preuve. Allez hop. Alors, j'adore ce bruit. Qu'est-ce qu'il peut avoir? Donc du coup, c'est pas le S, la bonne lettre. Bon, loupé. Merde, c'est tab pour sortir. Faut que je recommence vu que j'avais plus qu'un essai, sinon le terminal se bloque. Mais bon, du coup, c'est plus les mêmes mots. Faut recommencer à zéro. Towel. 06. Donc, par exemple, c'est pas ça. C'est pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas ça, c'est pas ça. Surge. Ok. Ça peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça.
Ça peut pas être ça. Putain. Il y a combien de mots qui commencent par S? C'est peut-être chose. Normalement c'est ça. Il n'y a pas d'autres mots qui commencent par S. Sans O. Allez, je le tente, je le tente. Ça y est. Pouf, trop chaud, putain, un vrai hacker. Carte mise à jour. Là j'ai regardé parce que c'était une holobante, mais les autres c'est ébriété publique, tout ça, je pense pas que ça me... Ouais, ça me fait rien par exemple. Ok, en fait c'est le seul truc qui était intéressant je pense. Dans le PC, j'ai pas envie de commencer à tout analyser. Antigel. La vodka. Ah, oh, de la drogue. Un pantalon à bretelles. Il serait trop classe comme ça. Maurice. Mais bon. Une loupe. Il y aura du cristal. Hop. Après c'est des boîtes pas fouillables. Ah là il y a de la drogue. Parfait. Je suis un vrai dealer. Enfin, Maurice est un vrai dealer. Chalumeau. Épingle à cheveux. Ça c'est bien. Commissariat. J'ai pas confiance. La dernière fois que j'ai été dans un... dans un garage... il y avait des goules. Bon là, a priori, il y en a pas. Bon, ça va, c'est bon. Pinceau. Cartouches. Plein de cartouches. Ok, on est par là. Ok, d'accord. Oh, là, j'avais pas vu. Ah là, parfait. Bon, bah, on va pouvoir y aller, hein, en mission, avec l'autre... l'autre gaillard. C'est pas la vidéo promise, mais elle est pas mal, celle-ci. Bah, j'irai voir après, écoute. Pourquoi vous restez là comme si vous n'aviez rien à faire? Vous pourriez aller? Paladin Dance vous attend. Oui, on peut y aller. Oui. Formidable. Suivez-moi. Putain, et trop ne prenez pas en route. Alors, le principe de suivre quelqu'un, c'est que t'avances en fait. Voilà. Mais qui s'est mangé la porte. C'est bien d'avoir une armure, mais. S'il arrive pas à la contrôler. Nous allons emprunter cette ruelle. Suivez-moi. Bah oui, parce que c'est bien connu que les ruelles, c'est pas des pièges. Arkset n'est pas loin d'ici, vers l'ouest. Cette route devrait nous permettre d'éviter le gros de la meute de ghouls sauvages qui infeste Cambridge. Ok. Nous prenons un gros risque en nous éloignant du commissariat. Mais cet émetteur est notre priorité numéro un. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais levé le camp depuis longtemps, mais le scribe Hélène a détecté des signaux énergétiques inquiétants. Il faut qu'on... Attends deux secondes, Coco. Parce qu'en fait, je sais pas si mon fusil est bien. 34. Il est compact. Mais là, avec un viseur lumineux. Je prends ça. On examine ça de plus près. Nous ne savons pas grand chose pour l'instant. Si ce n'est qu'ils sont brefs et que la fréquence qu'ils utilisent indique l'emploi d'une technologie sophistiquée. Nous craignons que la source de ces signaux représente une menace potentielle. Et il est de notre devoir de mener l'enquête. Ok. J'espère que... Bon, le chien, il démine pas, hein, parce qu'il était juste à côté et... Hein, bon. Putain, j'ai eu du bol. Heureusement que j'ai eu le réflexe de me retourner, parce que sinon... J'étais foutu. Foutu, foutu. J'ai une patte dans le beau drap.
Comment on fait pour soigner déjà? Bah, il faut juste attendre que la vie monte. Non, ou les parties du corps se soignent toutes seules, je sais pas. Je pense qu'il est trop léger. Ou alors, peut-être qu'il l'a déclenché, je sais pas. Comment on fait pour se soigner? Faut utiliser un steampack forcément. Examiner. C'est bien, mais c'est pas écrit. Ralentit le temps. Mince. Putain, c'était facile dans Fallout 3 ou New Vegas. Il y avait différentes parties du corps. Tu cliquais sur la partie du corps et elle se soignait. C'est. Voilà, j'utilise un steampack et ça fait rien. Ah si, c'est bon. Putain, c'est pas intuitif. Hein. C'est bien pour les nouveaux joueurs, hein, mais parce qu'ils connaissent pas, donc. Voilà, mais moi j'ai les vieilles habitudes et ils ont tout changé, mais ils préviennent pas. Donc, Fruits mutants. Oups. Lunettes tendance, est-ce qu'elles sont mieux? Faut que je change mon arme. Oh, oh, trop la classe, Maurice! Putain, Maurice, il est parfait, quoi. Y'a des gens là. Ah, de pitié! Putain, c'est vraiment de la merde. T'en visais à la main, quoi. Tu vois rien? Oh, c'était le chiant. Maurice a perdu une jambe en route, avec sa graisse il peut refaire des montagnes, t'inquiète. Vous êtes cons. Vous êtes les pires avec Maurice. Ça va peut-être vous surprendre, mais mon unité de reconnaissance n'est pas la première à opérer dans le Commonwealth. Au cours des 7 dernières années, 2 autres équipes de la confrérie ont été envoyées ici pour récupérer des technologies. La première incursion fut un franc succès. Ils sont revenus avec des caisses entières d'artefacts datant d'avant-guerre et de documents historiques. La seconde a eu moins de chance. Peu après leur arrivée sur place, nous avons perdu le contact radio. Et nous n'avons plus jamais eu de nouvelles d'eux. Quant à mon unité, ce fichu désert radioactif m'a déjà coûté 4 bons soldats. Nous avons été pris pour cible dès notre arrivée. Et je n'ai aucune intention de baisser les bras et de faire demi-tour. Ni de mourir ici. Le swag. Oui. Mais du coup, ouais, c'est bien de raconter sa vie, mais. Et enfin, un de ces bruits, en tout cas, quand il marche. Au moins, je suis sûr que si je le suis, lui il va déclencher les mines, c'est sûr. Écrasez-les! Il re... Vous avez entendu ça? Cible éliminée! Je suis con, mais je l'assume. Ok. Tant mieux. Mêlez tous! Oh. Neutralisez! Lui avec son fusil, il en a tué 3 ou 4. Moi j'en ai tué un. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Je suis déçu parce que l'arme c'était écrit machin laser, visée laser, c'est juste les petits trucs là. Nous y sommes. Spock Jet System. Passons par devant. Il ne devrait pas y avoir de système de sécurité à l'extérieur. Ok, mais à l'intérieur par contre. Des cartouches.
viande, briquet. Okay. Je suis sûr Istaros nous espionne là en mode discret. Eh, y a moyen. Hein. C'est une petite fouine. Écoutez-moi bien. Pas d'étincelles, d'accord? Je veux de la prudence et de la discrétion. Pas besoin de jouer les héros. Ok. Qu'est-ce qu'on fait à Arkjet déjà? Nous sommes à la recherche d'un dispositif capable de renforcer le signal de l'antenne radio du commissariat de Cambridge. Sans lui, impossible d'entrer en contact avec mon commandement. N'oubliez pas, notre cible prioritaire est l'émetteur longue portée. Concentrez-vous et faites attention aux lignes de tir. Je n'ai pas envie de me prendre une balle perdue entre les omoplates. Chef, oui chef. Du coup, je vais peut-être changer d'arme. Il veut un peu de discrétion. Peut-être prendre ça. Une arme laser avec un petit viseur et tout, comme ça, pas beaucoup de balles. Paladin Dance. Assez bavardé. Nous avons une mission à remplir. J'ai juste le seul. J'avais dit une vraie fouine. C'est ce genre de corporation qui ont scellé le destin de l'humanité. Ils ont exploité la technologie pour engranger les bénéfices tout en fermant les yeux sur ses méfaits. Wow. Regardez ces épaules. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Y a pas plus de drop que ça sur le robot ? Je fais que ça d'accumuler les paquets de cigarettes, mais tant que je trouve pas de marchand, j'aurais l'air con. Mais c'est ouf quand même qu'il n'y ait pas de marchand. Enfin, je sais qu'après il faudra les. Entre guillemets, les créer. Mais bon, c'est étonnant. Et très déstabilisant aussi. Il est parti par là. Ouais, désolé, hein, moi je fouille. Mais ça va depuis que j'ai baissé la qualité un petit peu. Même si normalement vous voyez pas la différence. Même moi je l'ai pas vu, hein, la différence. Mais il est passé où ce con? Attendez. Est-ce que ça lag moins? Ah, il est là en fait, il n'a pas bougé. Regardez ces épaules. Quelqu'un s'est déjà chargé du système de défense automatisé, on dirait. Ouais, tu l'as déjà dû. Dis. C'est le travail de la confrérie de l'acier? Malheureusement, non. Regardez un peu. Pas une seule douille, pas une seule goutte de sang. Ces robots ont été attaqués par des synthétiques de l'Institut. Des synthétiques? Quelle différence avec les robots? C'est une aberration technologique créée par l'Institut. Des humains soi-disant améliorés. Plutôt des abominations. C'est intolérable. Une telle chose n'aurait jamais dû exister. L'Institut? Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe de chercheurs qui s'est erré dans l'ombre dès le début de la Grande Guerre. Ces dernières décennies, ils ont inondé le Commonwealth de cauchemars technologiques ambulants. Je serai sur mes gardes. Bien, on avance. Au fait, il a vu la commande machin Istaros. Je sais pas, faut lui demander. Cet endroit est dans un sale état, mais il reste encore quelques objets qui pourraient intéresser la confrérie. Quand nous aurons rempli notre mission, je relèverai les coordonnées du site pour une future mission de récupération. Bon, t'en fais pas que je vais déjà tout récupérer avant. Essayez d'ouvrir cette porte pendant que je sécurise la zone. Trouver un moyen d'ouvrir la porte.
Il y a un terminal ici. Je dirais que c'est ça, surtout qu'il y a une lumière qui le pointe, tu vois, en mode. C'est là. Rappelons que le terminal doit être changé, je sais pas. Ok. YB3N. Dance. Restez à l'affût et faites le moins de bruit possible. Ok, je ferme ma gueule. Commande du laboratoire. Ok. Et porte de sécurité. Ouvrir la porte. Je crois qu'on a de la compagnie. Les capteurs détectent une présence ennemie. What? Ah putain, chaque fois faut. C'est de la merde. Chaque fois faut. Emploi de tactique de corps à corps. Fin du combat. Un pistolet de l'institut, on va prendre. Hein. Ok. Il y a quelqu'un. Oui. Bon sang. Je suis Tim de Vienne. Par là-bas. C'est de la merde cette arme, je vais changer parce que c'est vraiment nul. Nul à chier. Je vais reprendre un pistolet, ça marche très bien les pistolets. Voilà. Ennemi vaporisé. Il en reste un. Arrêtez-vous. Personne de face. À la confrérie. Voilà. Bon, j'ai pas eu le temps de tout fouiller là, Jean-Pierre. Briquet. Bidon d'antigel. Armoire. Scotch. Ok. Hop, on prend ça. On prend ça. Pistolet automatique, bah ça peut être intéressant. Voilà. Comme ça on va se combattre à armes égales. Tu sais que tu peux charger ton arme plusieurs fois avant de tirer. Bah je l'ai vu mais à la fin en fait. Mais c'est quand même une arme de merde. J'aime pas. Complexe grouille de synthétique. Oui. Ah mais merde, c'est la route. Attends, Jean-Michel. Patience, je fouille. Il y a une nouvelle commande. Ouais. Bonne nuit, Gossipizi. Merci d'être passé. Du buff out, nice. T'as lui, il s'est fait défoncer. Oh, mais c'est un fusil que nous avons là. C'est plus intéressant que le pistolet. Je vais balancer ça. Je vais prendre. Il est où? Là. Ah mais ça a concentration aussi. Tout à l'heure il a dit ça et machin voulait le mettre encore. Ouais. Établi d'armure. Bloc-notes. Par contre ça mange la moitié de l'écran. C'est pas pratique on va dire.
paquet de rubans adhésifs. Attendez, on va tester l'arme pour voir ce que ça donne. Dégage le chien de merde. Bah c'est pas de la à concentration du tout le fusil. Ah je suis trop lourd. Je crois que j'avais utilisé cette musique là pour un pour une vidéo. Je suis pas sûr. Purée minute. Pâté pour chien. Voilà. Waouh. Le zoom il est chelou. Attention une mine. Tiens, est-ce que le chien peut l'activer? Hey, psst. Allez voir. Va là-bas. Allez. Fais pas ta pute. Va là-bas. Vas-y. 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 Allez, fonce. Attendez là. Non. Allez. Restez là. Ah le bâtard. Putain. Allez voir ce que c'est. Il veut pas. Ah j'ai gagné un cristal, cool. Nice. Cuivre, cellule de fusion. Ok. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Le fusil est énorme, la commande est associée à cette seule phrase où il sera possible d'en mettre plusieurs. Je peux pas en mettre plusieurs. Une commande est égale à une phrase. Que celle-ci plusieurs, je sais pas, on peut pas. Parce que j'aurais aimé faire un aléatoire avec plusieurs phrases, mais. On peut pas. C'est comme bah Star Wars, Impossible de crocheter ça. T'as sûrement pas vu, mais il y a aussi la commande de point d'exclamation paper. Et c'est pareil, j'aurais voulu mettre des phrases random. Mais... il faut être torturé le chien, mais non. Ok, c'est bon. J'ai tout fouillé. Je vais rejoindre mon poteau. Attention, tourelle droit devant. Oh ouais. Tourelle droit devant et donc toi tu fonces. Attends Jean-Michel. Merde, c'est que des notes. Du coup, il n'y a pas moyen. Ah, il l'a cassé, ok. Intrusion. J'aurais voulu la désactiver. Cible abattue. Bah écoute, fais tout le travail, moi je fouille. Prends de sûreté, ôté. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Les ai trouvés. Putain. Merde. Je passe en mode recherche. Tu passes en mode recherche. Tu passerais pas en mode relax. Seuls les vrais savent. Par contre, le chien me suit plus, je crois que je l'ai laissé là-bas. Ah bah tiens, j'ai trouvé un coffre, sans le vouloir. Mais il me semble que c'est possible, il y a plusieurs phrases. Ça en sort une parmi un certain nombre, mais je sais pas du tout comment on fait. En tout cas, c'est pas via les. Via le truc que, ouais. Que je fais actuellement. Pas terrible, Storm. J'aime le nombre 17. Dis plutôt que tu aimes bien tous les nombres où il y a 7 dedans. Regarde-moi ça, là, c'est la feignasse. Hey. Suis-moi. On y va. On va échanger des trucs. Si tu peux porter des trucs.
Elle est marrante la musique. Niveau des tenues. Tiens, prends ça. Prends ça. Bric-à-brac. Qu'est-ce que je fous avec une brosse à cheveux? J'ai encore ramassé des trucs inutiles, moi. Le chien peut plus porter, ok. J'avais 90 avec je sais plus qui. Avec l'EDA, ouais. J'aime le chiffre 7, pas 17. Ouais, quand même, en mode relao. Ouais, c'est pas faux. Ok, parfait. La brosse à cheveux, on va la dégager parce que c'est de la merde quand même. J'ai pas besoin de cheveux, j'ai un chapeau. En tout cas, il est sympa ce fusil. Moi j'aime bien l'institut. Franchement, s'ils peuvent m'offrir des armes pareilles. Je peux pirater un truc. Alors, ta. Ok. Roll. C'est pas ça. C'est peut-être zone. Ça y est. Putain, je suis trop bon. Commande de tourelle. J'aurais peut-être dû commencer par ça en fait. Je l'ai désactivé. Ah non, attendez. Je suis un professionnel, je peux l'utiliser. Diagnostic du système. Hors ligne. Au cas où, je vais mettre désactivé. Mais a priori, ça sert plus à rien vu qu'on les a défoncés. Mais si on a d'autres, au moins. Circuit imprimé. C'est quoi ça? Un réveil. Bouteille de Nuka-Cola. Bureau. Ok. Tu as quand même 14 d'amiante sur toi. Bah ouais. Non. Voilà. Je pense qu'on aurait dû compter le nombre de brosses à cheveux que j'ai ramassées et que j'ai reposées. Parce que dans ce stream, il y en a eu pas mal. Ok, ici y a rien. Excusez-moi, je sors de la douche. Putain, le chien il sait ouvrir des portes et tout quoi. Ok. Ah, j'ai pas dit j'ai pas besoin de cheveux, j'ai dit j'ai pas besoin de brosse à cheveux. Ah, c'est un seau. Arme de fortune, on s'en bat les couilles. Okay. Bon, l'autre il doit m'attendre là. C'est par là qu'il est passé. Hein. Ouais. YOLO. Je suis sûr qu'il y a des trucs cachés ici. Je ne peux pas crocheter ça. Fuck. Fuck, fuck and fuck. Tu n'es que colle là. Là c'était l'endroit où il est descendu, ok. Ok. Bah lui dis-moi, il a abusé du Nuka-Cola. Bonjour monsieur. Nous approchons de l'objectif, le réacteur.
Mais non, t'es pas tout seul, Freeze. Il y a Istaros. Code, ça veut dire citation. Attention où vous mettez les pieds. Cette section est privée de courant. Regardez-moi tout ça. Nos scribes s'en donneraient à cœur joie ici. Oh. C'est un bel engin. L'émetteur devrait se trouver dans la salle de commande, au-dessus du réacteur. Mais l'ascenseur a l'air hors service. Il faut continuer à descendre et essayer de rétablir le courant dans le complexe. Il okay. doit bien y avoir un générateur auxiliaire quelque part. Allez explorer la zone de maintenance. Je reste ici pour couvrir nos arrières. Le classique, hein. Allez devant. J'ai une grosse armure, un fusil laser et tout, mais allez devant. Et moi, je reste là pour quand il n'y a pas d'ennemis, en fait. Merci, quoi. Putain, porte de merde. C'est quoi cette musique? Le courant est coupé. Okay. Mais il casse les couilles. Chaque fois, il est dans mes pieds, quoi. Alerte. Perte de puissance détectée. Réacteur désactivé. C'est quoi ça? Ouais. Bah écoute, je vais le prendre. Bah non. Elle est ridicule cette musique. Ah d'accord. Ah c'est, on peut mettre que des trucs inutiles dedans. Genre ça. Ah c'est un truc qui balance des objets non? Je pense. Qu'est-ce qui me sert à rien dans le tas? Amiante, fume optique. Alors, salut Foufou. T'as un beau gun. Salut mes petits fous. Ciao Staros, bonne nuit. Bah attendez, faut que je ramasse des objets là. Un pinceau, un pot de peinture. Ah c'est ça en fait. Attends. Hop. C'est trop drôle. Alors c'est pas ça, c'est ça. Du coup. Clé à molette. Pinceau, pot de peinture, un pot de peinture, boîte de cigare, ok. Je suis pas fou, je suis une tour. Quelle blague de fou. Hey. Hey. Tu recycles et tu balances tout, c'est beau ça. Il me semble que je peux plus rien lui donner. Hein. Ouais, il est trop lourd. Donc je vais balancer un truc qui sert à rien.
Voilà, je vais pouvoir me débrouiller. Alors, arme de fortune. Les trucs de fortune, généralement, c'est de la merde, donc... Voilà. Quoi, je suis encore trop lourd? À peine. Voilà, hop. Voilà. Tu veux savoir pourquoi les Américains ne peuvent pas, ne peuvent pas jouer aux échecs? Dis-nous tout. Joli. Du coup, j'ai envie de tout prendre pour les mettre dans l'arme, mais je sais pas. Parce qu'il leur manque une tour. Bah deux même. J'aime beaucoup la blague. Elle est pas mal. J'y suis. Pouah, trop chaud encore une fois du premier coup. Allez à la salle de commande. Alimentation du réacteur rétablie. Moteur thermique alimenté. Activé et prêt pour la mise à feu. Oui, go. Ah merde. Restez en position. Ok, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Attendez, je regarde sur le stream. Si je réussis à comprendre un truc. Donc j'ai tiré un premier truc. Et quand j'ai voulu retirer, j'ai explosé, d'accord. D'accord. En fait, cette arme, elle est un peu nulle quand même. Donc, je vais pas la garder. Ok. Bon, il faut que je repirate. Mais si, t'as fait des blagues drôles, Freeze. C'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Donc c'est pas le A. C'est bon. Oh là là, trop chaud, putain. Alimentation du réacteur rétabli. Arrêtez-vous. J'ai l'impression. Moteur thermique alimenté. Commande validée. Début du compte à rebours. Mise à feu dans 5. Des capacités furtives. Fascinant. 4. 3. Appuyez sur un bouton n'importe lequel. 2. Ah, c'est fait, attends. Bon sang. Mais 1. Mise à feu. On se fait toucher. LOL. Mise à feu expérimentale terminée. Rapport d'efficacité 96,7%. Oh, c'est pas vrai. Vous allez bien? J'ai l'impression d'avoir été passé au barbecue, mais... j'ai été sauvé par mon armure assistée. Le plus important, c'est que nous soyons encore en vie. Et l'émetteur est à portée de main, maintenant. Allons-y. Putain, mais le mec, il est increvable. C'est ouf. Le mec, au calme, il se prend une fusée dans la tronche. Ah, ça pique un petit peu. Mais ça va. Quoi?
Alors, en fait, comme arme, je vais reprendre celle de l'institut, tout simplement. Elle était rigolote. Faut que je fasse quoi? Aller à la salle de commande. Tu viens? Tu viens? Il y a du mal, hein. Bon. Montez. J'y vais sans lui, hein. C'est un mélange de Hulk et de Iron Man. Ouais, c'est à peu près ça. God damn it, il sert à rien cet ascenseur. Vous avez entendu ça? Ouais ouais, c'était mes genoux. Et du coup c'est nul. Attendez, je ne comprends pas tout. Ce point là. Intrusion. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Ok, il est parti en haut. Ah non, il fallait bien prendre l'ascenseur. Mais comment il a fait lui? Mec, il se téléporte quoi. J'espère que c'était les derniers. L'émetteur n'est pas là. Descente. Les synthétiques. Ils étaient peut-être venus chercher la même chose que nous. Ça, le mec, il se débrouille sans moi au calme. Donc, du coup. Tu étais là. Attends, parce que moi j'ai un train de retard. On était là. Émetteur longue portée, je l'ai. Partons d'ici. Nous allons prendre l'ascenseur de service pour rejoindre la surface. Tu te calmes, tu me donnes pas d'ordre. Je fouille avant. Ok. Bon, comme a priori ils se téléportent tous. Ça serait mieux One Punch Man. C'est en haut l'objectif je pense. Ouais ouais ouais. Eh ben c'est où? Il y a 12 étages. Cœur à l'air sûr. On y va. Ok. Paladin Dance. On peut dire qu'on a eu chaud. Mais mission accomplie. Bravo. J'aurais servi à rien dans cette mission. Je trouve qu'on forme une belle équipe, vous et moi. Affirmatif. D'habitude, les civils sont incapables de suivre des ordres simples. C'est un changement agréable. Il nous reste deux points importants à régler. Première chose, si vous voulez bien me remettre l'émetteur longue portée, j'aimerais vous récompenser pour votre rôle dans la réussite de cette opération. Je pense que cette arme vous donnera entière satisfaction. C'est un fusil laser standard de la confrérie, modifié par mes soins. J'espère qu'il vous sera utile. Je prends. Vous n'en avez pas besoin? Ne vous en faites pas, j'en ai un autre. Les soldats de la confrérie ne partent jamais en opération sans armes de secours. Et pour le deuxième point, je voulais vous faire une proposition. La mission ArcJet était tout sauf une promenade de santé. L'opération aurait pu tourner à la catastrophe, mais vous avez gardé votre sang-froid et agi en soldat. Pour moi, ça ne fait aucun doute. Vous avez toutes les qualités requises. Vous avez donc le choix maintenant. Vous pouvez passer le reste de votre vie de combat en combat. Pendant vos services au plus offrant pour survivre. Ou vous pouvez vous engager dans la confrérie de l'acier et donner un sens à votre existence. Alors, qu'en dites-vous?
Et qu'est-ce qu'on attendra de moi si je m'engage? Vous serez sous mon commandement. Et vous devrez obéir à mes ordres. Vous pourrez dire adieu à la vie de mercenaire. Cette fois, ce sera du sérieux. Nous vous fournirons des armes militaires de haute technologie, ainsi que votre propre armure assistée. Et le plus important, vous aurez le soutien matériel et moral de tous les soldats de la confrérie. Des camarades prêts à se sacrifier pour vous. Mon offre tient toujours. Est-ce qu'on peut compter sur vous? D'après vous, moi j'adore la confrérie de l'acier. À chaque fois, je les aide dans les Fallout. Donc d'après vous, vous êtes d'accord, faut que j'accepte. Parce que avoir une putain d'armure et tout, ça peut être vraiment cool, non? Excusez-moi, il me semble que nous étions en train de discuter. Désolé, je m'étais endormi en pleine conversation. Je vais attendre que vous répondiez. Vous pourriez dire quelque chose quand même. Ah mais je suis sur le cul. Choisis ta mère, ouais bon. Allez, je vais accepter. Ce serait un honneur de rejoindre la confrérie. C'est ce que j'espérais entendre. Retrouvez-moi au commissariat. Nous allons voir les détails ensemble. Faut que je signe un contrat, c'est ça? Et je level up.